Bonjour éclaireur pro vérité, bonjour à tous mes chers condisciples de la classe éclaireur pro vérité. Quelle joie pour moi de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Alors, mon édito aujourd'hui a pour titre « Le prix à payer ». Jeune Afrique, dans sa parution de fin août 2023, nous apprenait que la Côte d'Ivoire payait 75 000 francs contre 60 000 francs CFA du plus faible salaire minimum au Cameroun. Sachant que le Cameroun est la première économie de la CEMAC, entendez là, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La Côte d'Ivoire viendrait d'être élue pays le plus riche et heureux d'Afrique par un magazine américain. Vrai ou faux, nous avons des raisons d'y croire. D'ailleurs, comment ne pas s'enorgueillir et remercier notre président Ouattara si, pendant que la Côte d'Ivoire subventionne les produits de première nécessité pour le bien-être des Ivoiriens, et que des voisins mangent du bofloto frit à l'huile de moteur raffinée, si des voisins se font griller sur leur unique embarcation de fortune, si dans certains endroits, il est demandé aux fonctionnaires de renoncer à la moitié de leur salaire du jour au lendemain, oui, la Côte d'Ivoire suscite l'envie. Sa population multicolore, je ne parle pas de Gbagbo Michel, lui n'est pas concerné par la beauté. Sa culture multidimensionnelle, ses belles infrastructures font de ce pays un gâteau dont chacun réclame sa part de façon sue ou tue. Pendant que les autres ont le sommeil trouble, nous parlons de métro, de pont, de voie. Voulez-vous savoir pourquoi pour un match amical Mali-Côte d'Ivoire, 80 cas pleins de Maliens étaient annoncés? Savez-vous pourquoi tous les cyberactivistes camerounais calent à Abidjan dès leur premier voyage? Cela nous rappelle l'intérêt que portent les Africains à l'Europe. Mais malheureusement, il y a un prix à payer. C'est le risque de l'affluence due à l'essor économique du pays. Pour l'instant, ne sont évoquées que les populations africaines, libanaises, européennes. Mais avons-nous pensé aux autres qui pourraient converger vers le pays et s'y sédentariser? Et nos autorités, si sensibles aux amitiés d'ailleurs et tellement occupées à leur propre promotion, sont-elles préparées à gérer cet afflux humain massif avec efficacité et dans la sérénité? DiCaprio a été aperçu à bord d'un véhicule diplomatique quelque part dans le monde. Les mariages blancs sont arrangés en France entre les filles ivoiriennes et des non-nationaux. Le passeport ivoirien est devenu l'un des plus prisés dans le monde, car il permet à l'idiot de frimer et à l'homme d'affaires d'être exempté des charges inhérentes à ses activités économiques sur le territoire. Vaste chantier, nous y reviendrons. Merci infiniment à Mère Blanc, merci à tous. Et je crois qu'elle a tout résumé dans un si beau texte. Et tout est bien dit. Et les textes sont tellement condensés et tellement bien faits qu'il n'y a pratiquement pas grand chose à dire. Vraiment, merci beaucoup à Mère Blanc. Merci à tous les EPV. Merci à vous qui, à travers votre détermination, vous nous permettez de pouvoir exprimer nos opinions. Merci au gouvernement même de la Côte d'Ivoire et à tous nos dirigeants. Merci au EPV. Merci à toutes ces personnes-là qui veulent comprendre le monde pour pouvoir évoluer dans presque tous les domaines. Mesdames et messieurs, nous avons fini avec la présentation.